Hey, salut à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Origin Hans pour cette toute petite vidéo aujourd'hui. En fait, je voulais juste vous partager une découverte. Donc, en faisant un peu de shopping sur le net, il y a quelques semaines, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est pas bien gros, c'est pas des fourmis, mais c'est en rapport avec les fourmis. Vous allez voir, ce sont en fait des semences d'Acacia cornigera. Donc l'Acacia cornigera ou Vachellia cornigera, comme on l'appelle plus récemment maintenant, parce que la nomenclature a un petit peu changé. C'est un arbre qu'on va retrouver en Amérique centrale et qui est un arbre myrmécophile. Ça veut dire que c'est un arbre qui vit en symbiose avec certaines fourmis, en particulier les fourmis du genre Pseudomyrmex ferrugineus. Donc, comme c'est une symbiose parfaite, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour que l'arbre se porte bien, il faut une colonie. Pour que la colonie se porte bien, il faut un arbre. Donc, la première étape, ça va être celle-ci. Je vais semer ces graines, ce qui va me permettre, a priori, de démarrer quelques arbres. Et je vais essayer de ne pas les perdre. Et une fois que ces arbres auront germé, je vais me procurer chez un de mes contacts des jeunes colonies de Pseudomyrmex ferrugineus pour les faire évoluer en même temps que cet arbre. Donc là, j'espère que cette petite expérience va réussir et je vais arriver à la mener à terme. Parce que pour avoir déjà maintenu un arbre comme celui-là avec une petite colonie de Pseudomyrmex il y a quelques années, c'est vraiment quelque chose de captivant. Parce qu'à ce moment-là, la colonie ne quitte pas l'arbre et se nourrit exclusivement et uniquement de ce que l'arbre produit. Et elles vont passer leur vie à défendre l'arbre et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est quelque chose que là encore j'aimerais arriver à vous montrer sur cette chaîne, mais il faut commencer par le début, et le début c'est ça, c'est le petit sachet de graines. Voilà, donc c'était juste pour vous partager cette nouvelle en espérant que ça germe bien et qu'il y ait d'autres vidéos sur le sujet d'ici quelques semaines, quelques mois selon la vitesse de germination. On verra ça. Voilà, un petit gros plan sur les graines. Et ce qui est assez particulier ici, c'est que même la forme de cette graine est a priori spécifique pour faciliter le transport par les fourmis, puisqu'on va avoir une petite graine ronde avec un léger bourrelet sur toute la périphérie, ce qui correspond assez bien à la courbure des mandibules des fourmis, qui leur permet d'avoir une très bonne prise sur la graine pour la transporter. Donc là encore, c'est vraiment pour voir à quel point la nature peut avoir le sens du détail au niveau de l'adaptation. C'est assez phénoménal. Donc, c'est une plante qui ne vit vraiment que avec les fourmis. Voilà. Je vous laisse sur ces plans un peu plus détaillés des graines. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, liker, aimer la vidéo, de cliquer sur les différents liens ci-dessous et comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez bien de vos colonies et à la prochaine fois. Salut, salut !